Ça va? Bien, merci. Comment était le boulot? Ah, stressant comme d'habitude. Ok, donc tu as injecté beaucoup de personnes? Non. Tu veux que je te fasse une petite piqûre? Non, reste loin de moi. Pourquoi es-tu effrayée? Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. T'en es sûre? Oui. Bon, où est cette grosse tête? À l'intérieur, je crois. Ok, donne-moi ton sac. Viens là. Tu m'as manqué. Ça ne fait que quelques heures. Oui, je sais. Ma serrette m'a manqué. Hey, t'es rentrée? Tu veux dire que tu n'as pas entendu mon klaxon? Ton klaxon? Non, pas du tout. Oh, je comprends. Tu es assis là et tu manipules ton téléphone. Raison pour laquelle j'ai dû ouvrir le portail moi-même. N'est-ce pas? Depuis quand tu m'as recruté comme ton gardien? Hein, madame le docteur? En plus, il ose me répondre. Ce n'est pas drôle. Je viens de tout comprendre. Tu étais encore en train de fumer, n'est-ce pas? Fumer? Non, oui? Je ne fumais pas. Ok, alors, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Je manipulais mon téléphone, peut-être que c'est le dernier. Des horizons? Oui. Mais qu'est-ce que je vois ici? Désolé. Je vais le dire à papa. Que vas-tu dire à papa? Pourquoi tu veux l'impliquer dans ça? C'est pas nécessaire. Serait-ce, je suis désolée, c'était une erreur. Ça n'arrivera plus jamais. De toutes les façons, j'espère que tu sais que c'est toi qui fais le dîner ce soir. Et tu dois le faire avant que papa ne rentre. Pardon, ce n'est pas à moi de cuisiner, c'est toi. Mais... la dernière fois, c'est moi qui m'en suis occupée. Maintenant, c'est ton tour. Ah bon? Oui. Ok. Choisissons qui va le faire. À pierre, papier, ciseaux. On y va à trois. Ok. Un, deux. Ah. Refaisons-le encore. Je t'ai laissé gagner. On recommence. Chut, on recommence. Je t'ai juste laissé gagner. Ok. Allez, on y va. Désolé. Toujours à trois. Ok. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, tu comprends? Écoute, assure-toi que le repas est délicieux. Parce que s'il n'est pas bon, tu vas le manger toi-même. Je vais empoisonner ton plat. Dans mon plat? Je vais te tuer. Ne fume plus. Compris, arrête. Je t'ai dit que j'ai arrêté. C'était une erreur, ça n'arrivera plus. C'était délicieux. Ouais. Je suis un cordon bleu. Bon, Benjamin. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il n'est pas bon pour un homme de cuisiner? J'ai dit tout le temps. Alors, qui est censé cuisiner tout le temps? Les femmes, bien sûr. Pourquoi? Tu sais, les femmes s'occupent de la maison et des autres trucs. Ah, oh. Et les hommes ne doivent pas prendre soin de la maison. Ils le font, mais à leur façon. C'est bon, arrêtez ce débat. Discutez des sujets utiles. Ok, papa. Crois-tu également qu'il n'est pas bon pour un homme de cuisiner? Tout le monde doit cuisiner. Le genre n'est pas important. Tu as entendu, papa? Grosse tête. Papa, j'ai pris ton parti. Mais ce que papa a dit est vrai. Toi là, tu vas te taire? Constitue. Un peu de retenue. Bianca, ne fais pas attention à lui. Ça me revient. Tu voulais montrer à papa ton bulletin de notes, n'est-ce pas? Oui, j'avais oublié. Je vais le chercher.
Ok. Elle a sûrement réussi, c'est ça? C'était parfait. C'était vraiment excellent. Qui ça peut bien être? Tu attendais quelqu'un? Va ouvrir la porte. Venez, c'est silencieusement. Et vite! Allez, avancez rapidement. Et en silence. Maintenant! Hey! Par pitié! Pitié! Pitié, s'il vous plaît! Encore un cri. De ta part. T'es morte. Attache-les. Et attache-les très fort. Silence. Vous voulez? Et pourquoi êtes-vous ici? Eh bien, on y viendra, vieil homme. Calme-toi. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans cette maison? Non, il n'y a personne. Comment oses-tu me mentir? Non, non. Où est ta dernière fille? Elle est à l'école. Oui, c'est ça, elle est à l'école. Elle est à l'école. Elle est à l'internat. Ok. Je vais... J'aimerais me présenter. Je m'appelle Oscar, nous dit. Le premier fils de Chief Robert. Quoi? De quoi parlez-vous? Tu sais exactement de quoi je parle. Non, pas du tout. Je suis le premier enfant de mon père et de ma défunte mère. Le premier enfant de ma défunte mère, oui. Mais pas de ton père. Papa, dis-moi, de quoi parle-t-il? Je sais pas de quoi il parle. De quoi parlez-vous, cher monsieur? D'abord, vous venez ici avec des armes? Vous m'attachez, ma famille et moi? Et vous inventez des mensonges sur moi? Tu me regardes dans les yeux. Et tu me renies. Tout comme tu l'as fait il y a 30 ans de cela. Tu as abandonné ma mère. Parce qu'elle était pauvre. Tu lui as complètement tourné le dos. Tu nous as laissés sans rien. En tout cas, je suis revenu prendre tout ce dont tu m'as privé. Je sais pas de quoi vous parlez. Vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Je ne te confonds pas à quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Je sais qui tu es. Et je t'ai haï. Et c'est toute ma vie. Dites-nous ce que vous voulez et laissez-nous tranquilles. Que je dise ce que je veux. Wow. Ok, maintenant écoutez. Je vais vous dire ce que je veux. «
Je veux voir ma défunte mère revenir à la vie. Je veux me réveiller le matin sans voir l'image de ma mère souffrir de douleur et en agonie. Je veux tirer sur le visage de l'homme qui a rendu ma vie misérable et qui a détruit ma vie bien avant qu'elle ne commence. Je veux qu'il ressente la douleur. La douleur! Voilà ce que j'ai toujours voulu. C'est ce que j'ai toujours voulu. Je veux qu'il ait mal. Veux-tu toujours savoir ce que je veux? Je peux continuer encore et encore et encore à dire ce que je veux. Pitié. Pitié. Veux-tu toujours savoir ce que je veux? Par pitié, je vous en prie. Comment comptes-tu réagir à ce que je demande? Pitié. Je suis désolé pour ta perte. Je vais réparer mes torts maintenant et pour le futur. Si tu me le permets, je le ferai. Pitié, pardonne-nous. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Tu parles d'épée? Oui. Ce qu'il veut dire, c'est que l'avenir serait meilleur si on avance. Oui. C'est vrai. Et c'est pour ça que je suis là. Donc, maintenant, Chief Robert, tu vas transférer 35 millions de Naira dans mon compte, ici et maintenant. Et ainsi, ta famille sera libre. 35 millions de Naira? Où est-ce que je vais trouver ce genre de somme? Écoutez, j'ai pas une telle somme. Je peux vous donner 5 millions. Tu vas la fermer, oui? Tu penses qu'on est ici pour jouer? Je vais fumer tes gosses, les uns après les autres, sous tes yeux. Si tu blagues avec nous. Tu entends ça? Il a bien dit 5 millions. Tu as dit 5 millions. J'ai demandé 35 millions de Naira. 5 millions de Naira vont juste régler mes dettes. Et après ça quoi? Je n'ai pas. Je ne les ai pas. Chief Robert, on dirait que tu aimes jouer avec ta vie. Non, je suis pas en train de jouer. Je t'en prie, je t'en supplie. Je n'ai pas ce genre de somme. Maintenant, tu vas choisir qui meurt en premier. Okay? Pitié, pitié. Par pitié, je vous en prie. Avoir entendu qu'il n'y a personne d'autre dans cette maison. Personne d'autre? Il n'y a personne d'autre. S'il vous plaît, acceptez les 5 millions de Naira et laissez-nous tranquilles. Je vous promets qu'on n'en parlera à personne. Qu'est-ce qui a fait ce bruit? On ne sait pas. Peut-être Ra. Ali. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre ici. Non, il n'y a personne d'autre. Non. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne, c'est nous. S'il vous plaît.
si vous êtes les seuls dans cette maison, alors pourquoi avez-vous peur? Ali, boss, va fouiller toute la maison. Vas-y. Il n'y a que nous. Pourquoi? Pourquoi tu nous fais ça? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? N'es-tu pas le fils de ton père? Même la Bible dit que les péchés du père toucheront aussi les enfants. Pitié! Non! Par pitié! Boss? Devrais-je aller retrouver Ali? Ne te dérange pas pour lui. Il va s'en sortir. Et il va ramener quiconque se cache très bien de l'autre côté. Ok, boss. Et quand j'en aurai terminé, s'ils ne font toujours pas ce que je leur ai demandé, je leur exploserai le crâne, l'un après l'autre. Et ensuite, on réduira cette maison en cendres. J'ai 500 000 naira. Tu peux ajouter cela à la somme du papa. Tu as 500 000 naira? Oui, j'ai économisé. Vas-tu la fermer? A-t-on l'air des vendeurs de vivres à tes yeux? C'est à toi que je m'adresse! On ne donne pas 500 000 naira aux vendeuses de vivres. Ce sont des économies de toute une vie. T'inquiète, je ne prendrai pas les économies de toute ta vie. J'ai dit à ton père de faire ce que je lui demande. Mais s'il n'est pas prêt à le faire, je vais t'exploser le crâne sur le champ. Mais je te le redis encore et encore, j'ai pas une somme d'argent pareille. Et j'en ai pas. Je te crois. C'est la vérité. Bianca, dépose cette arme. Tu vas te blesser. Je t'en prie, ma fille. Bianca, s'il te plaît, dépose ça. Dépose cette arme. Bianca, s'il te plaît, tire. Ma puce. Pourquoi n'écoutes-tu pas tes aînés? Hein?
Allez, je viens te retrouver. Non, non, non. Tu bouges, je tire. Bianca, tu ne sais pas utiliser une arme. Dépose-la avant de te blesser. Je sais l'utiliser. Partez de chez nous. Je vais tirer. Je vois que tu regardes trop les films. Mais as-tu déjà vu une fille de ton âge tenir une arme? Écoute, je vais m'approcher et j'aimerais que tu déposes cette arme. Je viendrai la prendre où tu la mettras, ok? Non! Bianca, je t'en prie. Ma jambe! Non, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal! S'il vous plaît, je suis médecin. Je peux le sauver. Ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît. Viens par là. Viens ici. Viens. Pitié, pitié. Je te le promets, tout ira bien. Allez, arrêtez-moi ça. Ça suffit. Tu as dit que tu allais le soigner. Oui. Mais il faut que tu promettes que tu ne vas faire de mal à aucun membre de ma famille. Tu me donnes des conditions. Ton ami est en train de perdre beaucoup de sang. Comment est-ce que tu ne veux pas qu'il survive? Ok. D'accord, je ne vais tuer personne. Pas tant que tu n'auras pas fini. Eh bien, j'espère que tu respecteras notre accord. Vas-y. Il faut que tu m'aides à le soulever. Tu dois le soigner ici. Je ne peux pas me concentrer ici. Et alors? Tu crois que je vais le laisser être hors de ma vue? Si tu ne veux pas que ton ami survive, pas besoin de jouer à la comédie. Ma jambe. D'accord. Allez, mec, c'est bon. Ma jambe. Toi,
Je dois reconnaître ta bravoure. Quel âge as-tu? J'ai 16 ans. 16 ans? Waouh! C'est intéressant. Qu'as-tu fait à Ali? Je lui ai frappé une bouteille sur le crâne et il s'est évanoui. Qui peut en douter? Peux-tu me montrer où il est? Pitié. Vous deux, pendant notre absence, restez calmes. Ne tentez rien de stupide. Sinon, vous ne verrez plus votre fille et votre sœur vivantes. Hey, si tu touches à ma fille, je te trouverai. Et je te réduirai en cendres. Pour ton information, je peux annuler l'accord que j'ai avec ta fille et te coller une balle dans le crâne. Ne me provoque pas, vieil homme. Ne me provoque pas! Utilise des dents pour couper mes liens. Ok, d'accord, allons-y. Lève-toi. Tu vas devoir utiliser ça pour faire pression. Pendant ce temps, je vais chercher mon kit médical. Utilise ça. Parce que ça va faire mal. Alors il va falloir que tu t'en serves. Désolée. S'il te plaît, ouvre la bouche. Ouvre la bouche, s'il te plaît. Désolée.
J'ai presque fini. J'ai presque fini. Je dois déchirer ton pantalon pour mieux voir la blessure. Ah, désolée. Je sais que ça va faire mal, mais essaye de supporter. Désolée. Ça va vraiment faire mal. Enlève la main. Enlève la main, s'il te plaît. Désolée, je t'en prie. Enlève la main. Enlève la main. Pas croire qu'une fille de 16 ans ait pu t'assommer, garçon. Elle est venue par derrière. Je ne l'ai pas vue. Très décevant pour quelqu'un comme toi. Je suis vraiment désolé, boss. De quoi es-tu désolé? Qu'elle t'ait assommé? Et pris ton flingue pour tuer Nelly? Quoi? C'est vrai ça? Tu as gâché tout mon plan. Tout ça à cause de ta négligence. Boss, si tu me le permets, je vais torturer ces gens et on s'en va d'ici avec le fric. Je te jure. Tu ne feras que ce que je te demande de faire. Rien de plus. Rien de moins. As-tu compris? Oui, boss. Tu as vraiment de la chance. C'était juste une éraflure. Tu dis que j'ai de la chance? Ce genre de blessé, tu dis que c'est chanceux? Ça aurait pu être pire. Pire? Comment tu vas me soigner? Comment tu vas me soigner? Je vais te soigner et m'assurer que tu ailles bien. J'ai besoin de boire de l'eau. Non, tu n'as pas besoin d'eau pour l'instant. Mais j'ai soif. Tu as une blessure par balle. Tu n'as pas besoin d'eau maintenant. Ce n'est pas recommandé. Mais tu pourras en boire plus tard, quand tu te sentiras mieux. Ok. D'accord. Pourquoi tu fais tout ça? Faire quoi? Essayer de sauver ma vie. Je suis médecin. Et mon premier instinct est de sauver des vies. Malgré que mes amis sont là pour faire du mal. Eh bien, disons simplement que je fais aussi ça pour gagner du temps. Oui. T'inquiète pas, ça va aller. Merci beaucoup. Je t'en prie. Vraiment, merci. Il va falloir que tu fasses à nouveau comme tout à l'heure, parce que là, ça va vraiment faire mal, ok?
Désolée. C'est quelque chose que tu peux supporter. Attends. Désolée, reste juste Attends. Il faut que tu sois calme. Il faut que tu supportes. Tu ne veux pas guérir. Hein? Désolée, il faut que tu supportes. S'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît. Hein? Il faut qu'on le fasse pour que tu guérisses. Désolée, il faut simplement que tu supportes. Il faut que tu supportes, ok? Désolée. S'il te plaît, il faut faire le nettoyage de ta plaie. Désolée. Assieds-toi, fais semblant. Assieds-toi, mets tes mains derrière le dos et fais semblant. Fais comme si rien ne s'est passé. Comme si tes mains étaient toujours attachées. Oh. Bianca, tu vas bien? Oui, papa, je vais bien. Il n'a pas attaché ma fille. Pourquoi tant de brutalité? Tu vas la boucler. C'est serré. Calme-toi, hein? Calme-toi. Alors, pouvez-vous me rappeler où on s'est arrêté? Considère qu'on n'a pas ce que tu demandes. Prenez le peu qu'on a et partez en paix. Sinon, ça finira mal pour vous. Tu oses me menacer? Mais non, c'est pas ce qu'il veut dire. Écoute, je peux trouver 10 millions. Prends cet argent et va-t'en. Et laisse ma famille tranquille. Tu sais, ma femme-mère me disait souvent combien tu es cupide. Tu n'as épousé ta défunte femme que pour son pognon. J'ignorais le degré de ta cupidité jusqu'à maintenant. Tu es prêt à livrer tes enfants. Tu es prêt à laisser tes enfants être tués. Tu es extrêmement cupide. Tu es le plus stupide. Arrogant. Comment as-tu parlé à mon père de la sorte? Encore un seul mot de ta part et je te réduis le crâne en bouche. Ali. Il semble que tu as un truc à faire. Viens. Laisse mes enfants tranquilles. Allez, viens, montre-moi. Laisse mes enfants tranquilles. C'est bon. Comment tu t'appelles? Ada. Je suis désolé de te faire subir ça. Je fais juste mon job. Qu'en est-il de toi? Je m'appelle Nelly. Tu n'as pas l'air d'un criminel, encore moins d'un tueur. Alors pourquoi tu fais ça? Désolée, je pose trop de questions.
Ma mère est malade. Elle a besoin de beaucoup d'argent pour son opération. C'est pour ça que je me suis retrouvé à faire ça. C'est la deuxième fois qu'on le fait ensemble. C'est le seul parent qu'il te reste? Je suis le seul qu'elle ait. Je suis sa seule famille. Je veux qu'elle vive. Je ne veux pas la perdre. Ok. Ma mère et moi avons dû faire plein de boulot pour survivre. Ma mère a souffert pour m'envoyer à l'école. Et toi, tu étais dans cette maison. À jouir de la vie. À acheter des voitures. À acheter des terrains. À jouir de ta stupide vie. Attends juste que mon homme revienne. À ce moment, je te montrerai comment le diable en moi opère. J'ai dit à ta mère d'enlever l'enfant. Mais elle a décidé de le garder. Oh! Tais-toi! La ferme! La ferme! La ferme! Papa? C'est vraiment ton fils? Pourquoi tu ne tires pas? Qu'est-ce que tu attends? J'ai dit à ta mère d'avorter de toi. Tu ne serais pas ici à faire... Papa, à faire arrête! Tout ça! Et probablement c'est toi qui l'as tué avec ta délinquance. Papa, arrête de le provoquer, s'il te plaît. Laissez qu'il me tue. Tue-moi. Et sors d'ici libre. En sachant que tu as tué ton propre père. Papa, arrête. Arrête. Pense. Pense-y. Si tu le butes, on n'aura pas de fric. Notre plan tombe dans l'eau. Pense-y. Allez. Allez, vas-y. Sauver des vies. Tu es altruiste et généreuse. La plupart du temps, je pense que personne ne le voit. Moi aussi. Je dirai une prière pour toi dans mon cœur. Ah, tu pries? Ouais. J'étais un enfant de cœur à l'église. Et... Désolée. Et... Pourquoi ce changement drastique? La souffrance et les situations dramatiques dans lesquelles je me suis trouvé. J'ai perdu espoir. J'ai tout perdu. J'ai dû aller dans la rue... Chercher à manger et se vivre par tous les moyens. Je suis désolée pour tout ce que tu as eu à endurer. Désolée. Ah.
Désolée. On n'a jamais pris soin de moi de la sorte. Depuis longtemps. Ma mère est tombée malade et s'est affaiblie. Pendant des années, ce fardeau reposait sur mes épaules. De voir autant prendre soin de moi. Malgré mon horrible vie. Oh, me touche vraiment. Nelly. Tu es une bonne personne. Ne laisse aucune situation te faire croire le contraire. Ah, ah. Désolée. Ça va aller. Ah. Si tu promets de m'aider, je vais changer ta vie. Je te le promets. Survivons d'abord à cette étape. Ok? D'accord. Oh, Seigneur. Oh. Voyons comment tu vas encore te défaire de ces cordes. Vous n'allez pas vous en sortir aussi facilement. Vous allez tous pourrir en tôle. Ah ouais? Bien. J'allais oublier. Regarde ce qu'on a là. Je suis sûr que ceci t'appartient. Et alors? Pourquoi ne prends-tu pas ça et tu dégages de chez nous? Tu es vraiment stupide. Bon, merci quand même pour ça. On pourrait croire que tu es un bon fils à papa. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Du moins, pas comme toi. Si ceci fait de toi un saint, alors je veux être un saint. Boss, voilà ce que j'ai trouvé dans la chambre du garçon. Waouh. Maintenant, je comprends d'où lui vient son courage. De la drogue. Dis-moi, vieil homme, sais-tu que ton fils fume de l'herbe? Mon fils ne fume pas. Oh, il ne fume pas? Eh bien, toi-même, regarde. Ton ami a dû le planter là-bas. Regarde ses yeux, ils sont tout rouges. Mon fils ne fait rien. J'ai trouvé ça dans sa chambre. Que faites-vous encore ici? Partez de chez nous! En tout cas, Ali, ce n'est pas un gros problème. Laissons ce vieil homme s'embrouiller dans son ignorance. Ali, boss, tu peux prendre ça. Merci beaucoup, boss. J'en avais vraiment besoin. Je t'en prie. Si au moment où ta fille aura terminé et que tu ne me donnes pas ce que je t'ai demandé, sous tes propres yeux, je vais m'assurer de rester ton seul enfant, vivant, avant de te buter. Si tu décides de prendre en compte mes menaces, bien pour toi. Mais si tu crois que je bluffe, c'est mauvais pour toi. Allez, va voir comment il se porte. Il doit être dans l'une des chambres de la maison. Tout de suite, boss. Tout de suite.
J'ai ressenti la même chose quand ma mère est morte. Et le pire, c'est que je n'ai pas pu aider les médecins. Je voulais tout faire pour la sauver. Mais je n'ai pas pu. Et puis elle est morte. J'ai eu l'impression que le monde tout entier n'avait plus de sens. Je suis désolé. Vraiment désolé. Merci. Après sa mort, j'ai dû rapidement grandir comme premier enfant de la famille. Je comprends. Tout le monde me voyait comme le premier enfant de la famille. Il fallait que je prenne soin de mes frères et sœurs. Je n'avais pas le droit de pleurer. Mais au contraire, je devais les consoler. Ma mère était vraiment tout ce que j'avais. J'aime énormément ma famille. Nelly, la seule chose que je ne pourrais jamais te pardonner dans cette vie, c'est s'il arrive quelque chose de mal à mes frères ou à mon père. Je te promets que... Je te promets qu'aucun mal ne t'arrivera, ni à aucun d'eux. Je te fais la promesse. Oh. Que se passe-t-il ici? J'ai presque fini. On n'a pas tout le temps du monde. Ali, tu l'as entendu. Elle dit qu'elle a presque fini. Montre de la gratitude à la personne qui m'a sauvé à cause de ta négligence. Quoi? Attends, tu as perdu le nord? Gratitude, hein? Madame Grossefesse, accepte ma gratitude. Mais dépêche-toi. On n'a pas de temps. Tu en veux? Oh, j'ai oublié. Tes mains sont attachées. Tu es en otage dans ta propre maison. Waouh. Quelle ironie. Pourquoi n'as-tu pas utilisé tes diplômes pour quelque chose de mieux? Comment sais-tu que j'ai des diplômes? Je t'écoute parler. Et alors? Tu voulais que je travaille inlassablement, sans rien avoir à la fin? Plusieurs personnes le font, et elles sont satisfaites. Qui t'a dit que je suis ces personnes?
Tu sais, pour quelqu'un qui a fait un discours tout à l'heure condamnant la cupidité, tu es tout aussi cupide. Pour l'instant, ça ira. Mais assure-toi d'aller à l'hôpital. Et si je viens dans ton hôpital? Tu veux dire là où je travaille? Ce serait bien. Donc, je peux marcher maintenant? Oui. Merci. Je t'en prie. Je te remercie. Ah! Aïe! Vas-y doucement. Vas-y doucement. Ah! Désolée. S'il te plaît, aide-moi à mettre mes chaussures. Bianca, tu vas bien? Oh, ma chérie, je suis désolé pour tout ça. Bianca. J'aime ce prénom. Bianca, tu vois. Ton père ne veut pas faire ce qu'on lui demande de faire. Et cela peut te coûter. Arrête tout de suite. Ne parle pas à ma fille de cette manière. Oh. Tu ne veux pas qu'elle sache la vérité, n'est-ce pas? Oh, les voilà. Tu vas bien? Je vais bien. Boss, je dois te parler. Ce n'est pas le moment. Ok? Chief Robert, tu as 15 secondes avant que je ne tue ta fille. Tu te souviens de l'avertissement? 14. 13. Pitié, chef, 12, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Je te supplie pour l'amour de Dieu, pitié. 11. 10. 9. 8. 7. Boss, je dois te parler maintenant. 4. 3. 2. Nelly? Qu'est-ce que tu fais? Je ne te laisserai pas la tuer. Nelly, mets-toi de côté. Oscar, il ne mérite pas ça. Pas du tout. Prenons ce qu'il nous donne et partons. Oscar! Chief Robert, veux-tu toujours que je t'écoute? Non, je te donnerai. Je te donnerai tout ce que tu veux, je t'en prie. Par pitié, je te donnerai tout ce que tu veux. Oh, quelle sublime réponse. J'adore ce que je viens d'entendre. J'adore ça. Voilà. Ali, amène ce stupide cadavre hors de ma vue. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? N'as-tu jamais vu un cadavre avant? Hein? Tu l'as tué. Juste comme un jeu, tu l'as tué. Espèce de bâtard.
Détache-le. Doucement. Hey, attends là. Attache-la. Et reste avec eux. Et toi, viens avec moi. Allez, avance, avance, avance. Et que vas-tu faire maintenant? Que veux-tu dire? N'as-tu pas vu ce qui vient de se passer? Il a tué ton partenaire. Et tu es toujours de son côté? Tais-toi. Pourquoi ai-je l'impression que tu as toujours confiance en cet insensible psychopathe? Tu passes tout le temps à être à son service. Il finira par te tuer. Je t'ai dit de la boucler. Crois-tu vraiment qu'il ne fera pas pareil avec toi? Il te tient avec je sais quoi. À la moindre provocation. Il te tuera, il te tuera. Tu veux la fermer, oui? Ali, s'il te plaît, écoute-le. Ali. Si j'étais toi, je lui collerais une balle dans le crâne avant qu'il ne me fasse la même chose. Mais je comprends. Tu n'es vraiment pas très futé. Écoute encore un seul mot. Et ça sera la fin pour toi. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu cherches? Mon téléphone? J'arrive pas à le retrouver. Si tu crois avoir l'intention de me tromper, alors tu vas le regretter. Non, voyons, je suis sérieux. Je l'ai mis juste là et maintenant, j'arrive pas à le retrouver. Alors fouille la maison le fond en comble et trouve-le. Cherche-le. Maintenant. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Ok.
Oh là là. Je veux uriner. Ne l'as-tu pas entendu? T'as qu'à le faire, c'est toi. Hé, hey, attends. C'est quoi ton foutu problème? Avec toutes ces grosses fesses, tu sais pas où pisser? Tu n'as aucune notion de bon sens? Je te dis que je veux me mettre à l'aise. Comment peux-tu demander à une femme de pisser sur elle? Et que veux-tu que je fasse? Je dois aller dans ma chambre. Et si pour celle faille que tu m'accompagnes, alors pas de problème. Mais je dois soulager ma vessie. Je vais ruiner. Écoute, je suis pas ton enfant pour que tu me cries dessus. D'accord? Tu cries n'importe comment. Tu te crois où? Dis-moi. Avec toutes ces grosses fesses, tu sais vraiment pas où tu peux pisser? Ne tente rien de stupide. Donc, tu me prends pour un blagueur? Non. Je sais que mon téléphone est quelque part ici. Donne-moi juste un peu de temps, je... Je n'ai pas ce temps, car j'en ai utilisé une grande partie. Oscar, si je te donnais ma carte bancaire et mon mot de passe pour que t'ailles faire le retrait? Je veux juste que tu épargnes mes enfants, par pitié. Donc je vais au distributeur pour retirer ton argent, c'est ça? Ça me surprend toujours que... qu'après avoir bossé pour toi, après avoir fait autant de jobs pour toi tout ce temps, tu me prennes toujours pour un idiot. Non, je te prends pas pour un idiot. Je ne veux plus de retard supplémentaire, voilà. Je veux simplement que tu ne fasses pas du mal à mes enfants, pitié. Je t'en prie. Si je ne te connaissais pas, je dirais que tu perds probablement le temps pour que la police arrive ici. Mais je sais que tu n'appelleras pas la police. Car toi aussi, tu as peur de la vérité. Non, pas du tout. J'espérais juste que tu changerais d'avis et tu prendras l'argent. Je vais trouver le téléphone. Je vais trouver le téléphone, s'il te plaît. Donc, tu caches ton téléphone? Non, je t'en prie, je vais le chercher. Et je vais le trouver maintenant. Trouve-le, oui. Maintenant! Pitié. Allez, debout. Tu n'as jamais vu un cadavre de ta vie? Lève-toi et avance. Je joue la fille à papa. Tu crois que je ressemble à ton père? Bianca! Tu m'entends? Oui. Comment tu te sens? Je vais bien. Comment peux-tu aller bien dans cette situation? Je vais bien. Pourquoi cette question? Je suis désolé de ne pouvoir rien faire pour le moment. Je comprends. Ce n'est pas comme si tu étais Black Panther, tu sais. Ouais. Pourquoi penses-tu à Black Panther? Tu sais que j'adore Black Panther. Actuellement, je pense à tout ce que j'aime. Super. Comme tu peux le voir, je n'ai pas d'armure. Tu n'as toujours pas trouvé ton téléphone. Non,
Je viens de me rappeler que j'ai laissé le téléphone au bureau. Je viens de m'en souvenir. Il était ici, mais je crois que quand je suis allé au bureau, je l'ai pris avec moi. Oh mon Dieu. Dois-je t'apporter un stylo et du papier pour que tu rédiges ton testament? Car je vais te coller une balle dans le crâne maintenant. Non, écoute Oscar, je peux vraiment te faire le transfert demain. Honnêtement, je ne compte pas croiser mes bras quand même. Je vais faire le transfert. Espèce de vieil homme. Es-tu aussi stupide de croire que je vais partir d'ici sans mon pognon? Ah. Du moment où j'aurai terminé avec toi, là, ton très cher téléphone partira du boulot et viendra tout seul ici, sur le champ. As-tu appelé la police? Non, j'ai pas appelé la police. T'es avec moi depuis un moment, j'ai pas appelé la police. Tu devrais savoir qu'on ne se fout pas de moi. Pitié. Bianca, tu as entendu? Oui, j'ai entendu. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Qui c'était? C'est Ada. Qu'as-tu fait? Que s'est-il passé? J'ai pris son arme et je l'ai buté. Vraiment? Et tu as pris son arme? Je l'ai jeté. Où sont les autres? Que s'est-il passé ici? Je ne sais pas. Où est Ali? Je ne sais pas. Je n'ai rien vu. Quoi? Derrière toi. Oh! Jolico. Détache-moi.
enfin libre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Papa! Tu vas bien? Oui, maintenant. Ada, il est où l'autre gars? J'ai demandé à Léruné. Il m'a suivi et j'ai trébuché sur le corps de Nelly. De là, j'ai pris son arme et je l'ai utilisée dès que j'ai pu. Il est mort? Oui. Hein? Parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Papa, c'est le mieux qu'elle ait pu faire. Je pense qu'on doit appeler la police tout de suite. Non! Oui. Non? Pourquoi? Oh. Je veux d'abord lui parler. Papa, dis-moi, est-ce vrai que tu as vraiment abandonné sa mère? Je n'ai pas abandonné Lisa. On s'est séparés simplement. Papa... C'est vraiment ton fils. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Je vais lui parler. Tu ne dois pas parler avec lui, papa. Il n'est pas raisonnable. Nous devons appeler la police maintenant. Non. Il a eu à faire ce qu'il a fait à cause de ce qu'il a traversé. J'aurais dû le chercher et prendre soin de lui. Dès son jeune âge. Tu te sens coupable pour le monstre qu'il est devenu? Ah. À présent, j'ai la chance de l'aider. Laissez-moi le faire. Ok, et ses complices? Il est la cause de leur mort. Est-ce que tu veux qu'on couvre aussi ça? Comme je l'ai dit, je vais lui parler et on verra quoi faire. Je ne peux pas couvrir ce braquage. Il y a eu des coups de fusil, plusieurs fois. Je suis très sûre que la police a déjà été informée. Ils ne seront pas certains que ça vient d'ici. Ils vont poser des questions. Et si on ne dit pas la vérité, on ira en prison. J'ai pris ma décision. Je vais lui parler et ensuite on verra quoi faire. Tiens ça. Ma puce, écoute. Tout va s'arranger. Ai-je déjà menti avant? Non. Tu as confiance en moi? Oui. Je serai là pour toi. Ok? Oui. Reste ici. Je reviens tout de suite. Ok. Oui. Papa, regarde, il se réveille. Pourquoi t'as arrêté? Comme tu te crois trop fort. Allez, vas-y, détache-toi. Écoute, Oscar.
On n'a pas encore appelé la police pour toi. Parce que tu es de la famille. Et nous voulons t'aider. Tu veux m'aider? Non. Tu n'as pas appelé la police pour sauver ta propre peau. Pas moi. Je n'ai pas besoin de ton aide. Papa, ne t'ai-je pas dit que ce gars est déraisonnable et insolent? Qu'est-ce qu'il dit? Ma chérie, j'ai dit que je n'ai pas besoin de votre aide. Ne m'appelle pas comme ça, car je n'ai aucune envie d'aider ta méchante âme. Pourquoi n'appelez-vous pas la police? Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Hein? Oh, wow. Je comprends maintenant. Oh. Je crois que quelqu'un a besoin d'un grand frère à la maison. Mais laissez-moi vous ramener sur Terre. Je ne suis pas intéressé. Oh. Oscar, tu dois comprendre qu'on veut t'aider. Parce que c'est toi qui as amené les braqueurs dans cette maison. Et maintenant, leurs corps sont tout raides, couchés dans ma maison. On veut juste t'aider. Alors appelle l'ambulance. Je n'ai pas besoin de ton aide. Pourquoi tu refuses de comprendre qu'on veut juste t'aider? M'aider? Et comment veux-tu m'aider? Avec quoi? Ta sympathie ou quoi? Je n'ai pas besoin de ta sympathie, encore moins de ta pitié. Tu ne peux pas m'aider parce que... Tu ne peux pas ressusciter ma mère. Tu n'es pas le seul ici à avoir perdu sa mère, espèce d'idiot. Arrête de jouer à la victime avec ça. Tu viens chez nous avec des hommes armés en nous réclamant 35 millions de naira et tu t'attends à ce qu'on te montre de la sympathie? Je serai un gros con de répondre à un imbécile comme toi. Un gros con. Hé! Fais pas ça. Je peux avoir ce pistolet? J'ai fait une erreur. Permets-moi de réparer mes torts. Pourquoi maintenant? Tu as toujours su que j'étais ton fils. Tu m'utilisais pour tes sales boulots. Même quand tu savais que je pouvais mourir ou être arrêté. J'accepte mes fautes. Désormais, je veux faire les choses mieux. Permets-moi de t'aider. Va au diable. Vieux schnock. Tu
dois te calmer et bien réfléchir. Subitement, tu ne veux plus appeler la police? Hein? Observons d'abord ce que papa veut faire. Je sais que tu es en train de te dire qu'il commet une erreur, mais accordons-lui le bénéfice du doute. Donc, parce que c'est le fils de papa, il doit s'en tirer avec toutes les bêtises qu'il a commises? Je ne l'ai jamais dit. Écoute, mais c'est ce que papa compte vraiment faire. Je veux que tu te calmes. As-tu donné un truc au gamin pour calmer ses... Arrête de parler! Sinon quoi? Imbécile. Tu veux aussi me frapper? Tu es vraiment pathétique et un psychopathe. Tu sais que tu ne dois pas t'adresser à ton grand frère de cette façon. On t'a pas bien élevé. Ça suffit. Ça suffit tout ça, j'en ai marre de tout ça. Papa, c'est donc quoi la conclusion? On appelle la police. Allez, les mains en l'air, tout de suite. Tu as osé me tirer dessus? Allez, les mains sur la tête, maintenant. J'ai dit, la main sur la tête. Et toi? Je vais commencer par toi, Miss Grosse Fesse. Oh! Oh! Bianca! Bianca! J'appelle la police immédiatement. Merci infiniment, monsieur. Oui, monsieur. Donc, papa, j'ai appelé la police. Ils sont déjà en route. Ok. Il ira en prison? Oui. Il va passer le reste de sa misérable vie en prison. Imbécile. Je suis désolé pour ce que je vous ai fait endurer.
Je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait. Je suis désolé. J'étais très amer envers papa. Je suis de votre famille. Et je suis prêt à accepter son châtiment pour me réconcilier avec ma famille. Psychopathe. J'aurais dû mieux agir. J'ai commis une terrible erreur. Pitié, sortez-moi d'ici. Et je vous serai éternellement reconnaissant. S'il te plaît, papa, je sais. Je sais que j'ai commis une terrible erreur. Oui. Papa. Tu disais vouloir m'aider. C'est le moment de me montrer l'amour en corrigeant tes erreurs. Mes frères. Je sais que vous me détestez tous. Mais s'il vous plaît, donnez-moi encore une seule chance pour corriger mes erreurs. Montrez-moi tout l'amour possible. Je suis votre frère. Vous ne le regretterez jamais, je le promets. Vous ne le regretterez jamais. S'il vous plaît, aidez-moi à m'en sortir, ok? J'aime ma famille. Je vais devenir meilleur. Oui, je suis prêt. Bonjour, monsieur. Je présume que vous êtes monsieur Robert. Allons-y. Qu'est-ce que je peux t'offrir? D'accord, je suis l'inspecteur Tajima du CCMD. C'est moi qui mène l'enquête sur le braquage qui a eu lieu ici il y a 2 jours. Ok, bienvenue. Prenez place. Oh, merci. Que puis-je vous offrir, inspecteur? Juste de l'eau fraîche pour l'instant. Monsieur, une minute. Ok. Merci. Alors, monsieur Robert. Merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie. Alors, comment ça avance, inspecteur? Eh bien, jusqu'à présent, ça va. Nous avons parlé à monsieur Oscar. Et il nous a dit que lui et ses hommes travaillent pour vous. Que vous les avez punis parce qu'ils n'ont pas réussi un de vos boulots. Quoi? C'est quoi ces bêtises? Inspecteur, cette histoire n'est pas vraie du tout. Je sais juste que ces gens... Ils sont venus ici, ils ont braqué ma famille. Ils ont mis nos vies en danger. J'avais peur de perdre toute ma famille. C'est Dieu qui nous a sauvés cette nuit-là. Et s'ils sont vraiment venus voler, comment se fait-il qu'ils aient mis autant de temps? Eh bien, l'un d'entre eux était blessé. Vous avez demandé à votre fille de le soigner? Oui. Je veux dire, ma fille est un très bon médecin. Elle a accompli son devoir.
elle a sauvé une vie. Elle a utilisé sa profession pour gagner en temps et c'est pour ça que nous sommes encore en vie. Vraiment? Il a aussi dit que qu'il est votre fils. Est-ce que c'est vrai? Tout le monde peut prétendre être mon fils. Il n'a aucune preuve de ça. Il a dit que le nom de sa mère, c'est Lisa Anderson. Monsieur Robert, avez-vous eu une liaison avec cette femme? Vous savez, dans la vie, quand on grandit, on flirte un peu de gauche à droite. Oui, c'est vrai, mais c'était rien de sérieux. Oui, n'est-ce pas une preuve suffisante? Inspecteur, est-ce cela un interrogatoire ou pas? Oui. Il y a un truc qui n'est pas net dans tout ça. Et je dois découvrir ce que c'est. Le fait qu'il soit venu vous braquer, et la première chose qu'il a fait, c'est aller s'asseoir sur votre canapé et enlever son masque. Et dans votre déclaration, à un moment, il s'est levé et se servir un verre de vodka. D'après tout ça, cela montre qu'il était très à l'aise. Et la question c'est, pourquoi? C'est très simple. C'est un homme qui se croyait de la famille. Non, je ne pense pas. Il ne vous voit pas comme son père. Je pense que la raison pour laquelle il était à l'aise, c'est parce qu'il savait que vous n'appelleriez pas la police. Pourquoi? Et pourquoi penserait-il ça? C'est ma deuxième question. Oui, bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Il y a un problème? Bienvenue, ma fille. Voici l'inspecteur qui enquête sur le braquage. Salut, Ada. Je suis l'inspecteur Tajima. Salut. Ada, l'inspecteur est en train de dire que quelque chose est louche, car il semblerait que Oscar ait pris ses aises pendant le vol. Tu t'en rends compte? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Pas seulement ça. Il a aussi beaucoup baissé la garde jusqu'à perdre deux de ses partenaires. Et l'un d'entre eux s'est fait tuer par lui. Ce bâtard nous a fait souffrir cette nuit-là. Ma petite sœur est encore traumatisée. J'ai dû prendre rendez-vous pour qu'elle rencontre un psychologue pour sa santé mentale. Pourquoi toutes ces questions? Ou bien vous pensez que nous sommes impliqués dans tout ça? Vous essayez de dire que nous sommes dans le coup? Pas du tout. Non. Il a aussi dit qu'il travaillait pour votre père. Eh ben voyons. Voyons, inspecteur. Je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est un mensonge. Monsieur, avez-vous vu ce gars avant le jour du braquage? Non. C'était ma première fois de le voir. Comment pouvez-vous accepter qu'un inconnu vous appelle papa, bien avant de se présenter à vous? Pas de quoi vous parler. Ces gars sont venus nous voler et ils étaient prêts à tout, même à nous tuer. C'est la vérité. Inspecteur, je vous assure, c'est la vérité. Dans ce cas, tout concorde parfaitement. Qu'est-ce qui concorde? Monsieur Oscar est le fils de votre père. Monsieur Robert, vous saviez qu'il était votre fils. Mais quand il a découvert que vous étiez son père, qu'il haïssait de tout son cœur, il a décidé de déverser sa colère chez vous.
sachant que vous n'appelleriez pas la police parce que vous vouliez sauver votre peau. C'est quoi toutes ces stupides analyses que vous faites là? Je vous ai dit plusieurs fois que je ne le connais pas. Cette nuit était la première fois que je l'ai vu. Vraiment? Monsieur Robert, j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil à ceci. Papa? Je suis désolé, j'ai menti. Papa? Monsieur Robert, désolé, mais vous devez me suivre au poste pour plus de questions. Inspecteur, j'aimerais parler à mes enfants en privé. Vous aurez assez de temps, monsieur, mais pour l'instant, allons-y. Allons-y. Vous en faites pas, je reviens. C'est juste pour des questions. Papa. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.